À quoi ça sert? Ça veut dire quoi, ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui, lui? Un jour, une question. Comment fait-on une BD? Pour faire une bande dessinée, il faut d'abord imaginer une histoire dans sa tête, du début jusqu'à la fin. L'idée de départ est importante, car elle pose les bases. C'est un peu comme quand on construit une maison. On fait d'abord les fondations. Cette histoire, c'est souvent un scénariste qui l'écrit. Mais parfois, le dessinateur fait les deux. Il dessine et il écrit. Mais alors, une bonne histoire, est-ce que ça suffit à faire une bonne BD? Non, car ce qui compte le plus, c'est comment on s'y prend pour rendre cette histoire vivante. Et pour cela, le dessinateur a plein d'astuces dans sa boîte à outils de BDiste. Il peut jouer sur les couleurs, par exemple du gris et du noir pour montrer un moment grave ou une ambiance terrifiante. Il peut jouer sur les traits pour marquer la peur, un trait tremblotant ou un trait raide pour le corps d'un tyran inflexible. Et pour donner de la vitesse, rien de tel qu'une silhouette penchée vers l'avant avec des pieds qui ne touchent même plus le sol. De simples onomatopées peuvent exprimer beaucoup. Waouh ! Quelle explosion ! Allez, pas de quoi avoir si peur. N'oublions pas pour finir qu'un petit détail de rien du tout peut attendrir et même faire sourire. En conclusion, pas besoin d'être super fort en dessin pour faire une BD. L'important, c'est de trouver la bonne idée et de vouloir la partager d'un coup de crayon qui en dit long. Tu te poses des questions? Nous, on y répond.